Bonjour tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, je vais vous filmer un haul. Mais là, j'ai peut-être un petit problème de lumière. Normalement, je peux allumer la lumière de ma chambre, mais là, l'ampoule est brisée. Fait que j'ai la lumière de dehors, puis j'ai une petite lumière là. Fait que je vais commencer tout de suite. J'ai encore commandé un étui de cellulaire sur Amazon. Fait que c'est un case, il est dur en arrière, sur les côtés, c'est un peu plus mou. Fait que c'est pour un iPhone 4S, puis c'est menthe et transparent. Je me suis procuré le shampoing sec de Herbal Essence. Je voulais y laisser une chance parce que mon préféré c'est de Baptiste, mais je voulais l'essayer, mais il sent vraiment, vraiment, vraiment très fort. Mais c'est lui à la rose. Il va vraiment bien par contre. Il fait aucun résidu blanc. Si vous êtes brune, c'est une bonne idée. Pour moi, les résidus blancs, ça me dérange pas tant que ça, parce que j'ai beaucoup de mèches blondes, fait que ça se pondait bien, puis ça rendait ma repousse plus pâle. Je me suis procuré un manteau de printemps, que j'ai pas eu encore l'occasion de le porter, parce que il a fait vraiment froid. Là. Moi, j'habite aux Îles-de-la-Madeleine, fait que dans les Maritimes, il y a eu une grosse tempête de neige qui a duré quelques jours. Là, ça, on commence à voir le soleil, comme vous voyez, là, il commence à faire au-dessus de zéro, mais pas énormément. Je crois qu'il fait 4 ou 5 degrés aujourd'hui. Donc, c'est ça. Je peux pas vraiment le porter en ce moment, mais c'est un petit gilet Columbia. Il est fuchsia. Donc, c'est ma couleur préférée. Fait que je le trouve vraiment beau. Puis, avec les taxes, c'était seulement 103$. C'est quand même cher pour un petit manteau pas doublé, là. Mais bon, ça va. Je vais le porter plusieurs années. Désolée, je l'ai jeté par terre. Pour recharger mon téléphone, quand j'ai pas accès à une prise, j'ai acheté un truc comme ça. Ça s'appelle iBiz. Ben, c'est la compagnie iBiz. Il y a plein de compagnies qui le font. Dans le fond, il faut charger ça. Puis quand il est chargé, on peut juste charger notre cellulaire avec la plug. La plug du cellulaire. Donc, comme ça, c'est pratique si jamais mon cellulaire n'a plus de batterie. J'ai acheté sur Amazon le film de One Direction, This Is Us. Je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas venu en salle aux îles. Fait que je ne l'ai pas encore écouté. Il faudrait que je l'écoute, mais j'ai pas beaucoup de temps pour moi ce temps-ci. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo, là. En plus que je trouve pas ma caméra. Je me suis procuré le coffret Jouviance. Donc Jouviance ont sorti leur première gamme de maquillage. C'est du maquillage intelligent. Donc, les gloss hydratent, les loves, les rouges à loves, et c'est ça, c'est une gamme de maquillage intelligent. Et puis ça, c'est la gamme, dans le fond, c'est Véronique Cloutier qui est la porte-parole. Puis ça, c'est toutes les couleurs bisous de Véro, sauf le mascara, là, c'est le mascara original. Puis il y avait une petite étui, puis le tout, c'était 59,99 plus 10. Fait que l'étui est vraiment très jolie. Puis à l'intérieur, il y avait 4 produits. Donc, il y a le gloss, le mascara, le rouge à lèvres et l'ombre à paupières. Chaque produit vaut 20$. Fait que, dans le fond, on fait une économie de 20$ plus les taxes. Parce qu'il y a 4 produits à 20$ pour seulement 60$ pour le coffret. Je me suis procuré un peu en retard le livre de Demi Lovato parce que, dans le fond, il faut le commencer au début de l'année. C'est Staying Strong 365 Days a Year. Donc, à chaque jour, je sais pas si vous avez déjà vu, la date du jour, comme là, c'est June 3 pour le 3 juin. Puis, il y a un petit texte chaque jour, puis c'est pour rester forte toute l'année. Fait que faudrait que je me mette à jour, ou sinon, je vais garder les mois qui sont déjà passés pour l'année prochaine. Mais faudrait que je le lise, tant qu'à l'avoir acheté. Une dépense peut-être un petit peu inutile, mais quand même, j'aime ça. C'est des petits... comment est-ce qu'ils appellent ça? Des bandes de couleurs pour faire des bracelets, comme j'en ai un comme ça. Là. Dans le fond, c'est venu à la mode à l'école primaire à ma soeur. Là. Puis c'est au Dollarama qu'on achète ça. Fait que j'ai décidé d'en faire pour elle, puis je m'en ai fait pour moi aussi parce que, je sais pas, ouais, c'est mignon. Donc, après ça, chez Jean Coutu encore, ça fait un petit bout, mais j'avais pas fait de vidéo depuis un bon moment. C'est le coiffure Imagine de Lise Wattier. Dans le fond, c'est la collection du printemps, si je ne m'abuse. Donc, c'est 4 couleurs d'ombre à paupières. C'est vraiment beau, puis surtout le petit coffret, là, c'est juste magnifique.
Donc, j'ai bien hâte de les essayer. C'était dans le sac de mes achats, donc je ne l'ai pas encore testé. Je vais le mettre. Je vais le tester bientôt. Vu que le soleil revient petit à petit, je me suis acheté deux paires de lunettes de soleil. Donc, il y a ceux-là. J'enlève mes lunettes. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Donc, c'est un modèle avec plus pointu sur les côtés. C'est en espèce de léopard. Là. Je ne me rappelle pas du terme exact pour cette couleur-là. Puis les autres, c'est un motif aztèque de toutes les couleurs. Je les trouvais vraiment le fun. Puis pour porter à la plage, je trouve ça beau. Fait que c'est juste un style ribbon. C'était chez Bizou. Je crois qu'ils étaient 2 pour 20$. Je ne sais pas vraiment tous les prix. Là. Il y en a que j'ai un peu oublié. Pour mettre mon cellulaire quand je veux aller, mettons, à des spectacles et tout ça, je ne veux pas m'encombrer d'une grosse sacoche. Fait que j'ai acheté un petit portefeuille comme ça chez Bizou. Je le trouvais vraiment mignon. Il était en spécial à 5$. Là. Je ne l'avais pas acheté au prix régulier. Et je pense qu'il était au moins pas de 5$. Fait qu'on met notre iPhone là. Puis il y a de la place pour mettre 1, 2, 3, 4 cartes et de l'argent là. Fait que quand on veut s'en aller vite, puis on n'a pas le goût de traîner une grosse sacoche, c'est super pratique. J'aime beaucoup les chouchous mettre dans les cheveux. Fait que j'en ai commandé chez Garage. J'ai celui-là. L'autre, je le trouve pas, là, mais il était noir avec. Non, il était rose. Juste rose au complet. Fait que celui-là, il est noir avec des fleurs. Chez Garage en même temps, ça va faire du bruit parce qu'il est encore emballé. Je me suis acheté des camisoles parce que j'aime beaucoup mettre des camisoles là, comme mettons celle-ci. Puis je les aime beaucoup chez Garage, mes préférés. Fait que j'en avais commandé deux beiges. Oh, une bleue. Là, ça tombe à terre. Une bourgogne mauve. Je sais pas si on voit bien les couleurs, j'espère que oui. Ça, c'est l'autre page. Et une rose, comme ça. Donc ça, je ne les ai pas encore portées. Je ne les ai pas encore déballées. Mais pour cet été, ça va être le fun. Ça, pour mettre avec un chandail qu'on voit beaucoup, la camisole. Ou toute seule, là, juste pour aller à la plage. J'ai trouvé mon autre chouchou. En fait, je ne savais pas que je l'avais pas déballé. Si je le déballe. Donc, dans le fond, mon autre chouchou, c'est celui-ci. Oh, il est vraiment doux. J'avais jamais... Je sais pas que c'est un rose. J'aime bien mettre ça avec, tu sais, je prends un élastique, j'attache mes cheveux, puis après ça, je les attache avec ça. Puis je trouve que c'est vraiment plus mignon. Là, pour travailler, je suis obligée d'avoir les cheveux attachés, puis j'aime pas vraiment avoir les cheveux attachés. Fait qu'avec ça, c'est un peu moins pire. Puis dernièrement, j'étais au Jean Coutu, et il y avait un spécial sur les trucs Revlon. Donc j'ai acheté ce baume-là. C'est le Color Burst Baume Lac. C'est mon premier qui est lac, parce qu'il y a les lacs et les mâts. Donc il est vraiment beau. Oups. Il fait pas si intense que ça sur les lèvres, en fait. Là. Il est vraiment. On peut vraiment porter ça chaque jour, je trouve. J'aime beaucoup les Revlon, c'est mes baumes préférés, mes baumes en crayon préférés, parce qu'ils font frais sur les lèvres, puis je trouve qu'ils tiennent vraiment longtemps. Après ça, il y a des petits faux ongles. J'en ai déjà porté là, des faux ongles comme ceci. Je sais pas si on peut bien voir le détail si je l'ai. Ok, donc il y a comme il y a du blanc, il y a du argent, du brillant, des petits points. Fait que je les avais mis pour ma photo de finissante. C'était vraiment beau, c'est vraiment facile à appliquer. C'est seulement, on tire sur la bandelette, puis on l'applique sur l'ongle, puis ça colle vraiment longtemps. Là, je les ai portés 7 jours, puis après ça, il a fallu que je les enlève. Il n'y en a aucun qui avait tombé ni cassé. C'était vraiment, vraiment super. Je vous les conseille vraiment, c'est les Empress Nails. En vente dans toutes les bonnes pharmacies, j'imagine. Quand j'ai acheté la collection de Véronique Cloutier chez Jean Coutu, ils donnaient des sacs à l'achat de 60$. Donc j'ai eu un sac comme ça. Je le porte pas en ce moment parce qu'il est vraiment vraiment pâle. Je voulais un rose. Il y avait un rose, mais avec mon manteau, là, je venais juste de m'acheter un manteau de printemps rose. Fait que je me suis dit, bon, non là. Dans le fond, peut-être que je vais plus l'utiliser comme sac pour emmener à la plage. Parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair, c'est juste un truc qui se colle comme ça magnétiquement. Fait que c'est moins pratique, là, je trouve. Mais bon, c'était gratuit. Donc, c'est ça pour mon nouveau sac. Et finalement, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps de cela, un foulard que j'avais commandé sur le site de ardennes.com.
Donc, les foulards étaient vraiment pas chers. Je pense que c'était 2 pour 15 $. Ma mère en a acheté un, elle aussi. Donc, il est gris. C'est un Infinity. Puis, il y a comme l'espèce de dentelle sur un côté. C'est une dentelle fleurie. Juste sur une partie du foulard. Donc, on peut juste le mettre comme ça. Oh, là, mes cheveux sont comme ça ici. Donc, c'était pour aller avec mon manteau. Fait que ça fait vraiment beau, je trouve. Fait que dans le fond, c'est ça qui conclut mon vidéo. Je m'excuse de tout le temps pas poster des achats. Là, je suis vraiment une dépensière compulsive. Je suis au courant. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo. Je vous souhaite une belle journée.